Let's go, c'est YouTube, bienvenue dans Disco Simulator, le prologue qui est disponible depuis un bon moment. Mais le jeu sortira premier trimestre 2024, donc on s'y approche évidemment très rapidement. Je vous fais le petit speech, comme d'habitude, Disco Simulator est un jeu tycoon consistant à gérer une boîte de nuit. Ta tâche est d'aménager la boîte à partir de zéro, construire les murs, placer les meubles, embaucher le personnel, planifier les fêtes, inviter les artistes, organiser les concerts, créer ta propre boîte. C'est développé et édité par Games Incubator, Playway SA, let's go, dédicace à eux. Bref, quoi vous dire, moi je suis un aficionados, vous savez, des jeux de gestion, mais aussi des tycoons. J'ai connu toute cette période là où il y avait du casino tycoon, du machin tycoon, du bidu tycoon. Voilà, c'est un truc de cœur, j'ai dit, let's go, on y va. Et je vous propose du coup de faire le prologue, tout simplement. On va se mettre sur le menu Disco Simulator. Niveau option, très basique, les raises, le son et le général. Il y a le français, mesdames et messieurs. Et oui, mesdames et messieurs, le français est là. Nouveau jeu. Et on a le choix. On commence entre Martha. Martha est une ancienne employée de banque. Elle sait comment optimiser les coûts, de ce qui lui permet de gérer efficacement la boîte. Martha est une bonne relation avec les fournisseurs de meubles, ce qui a permis de bien aménager et meubler la boîte en augmentant ainsi la satisfaction des clients. T'as 5 000 $ supplémentaires pour commencer et l'équipement est 10 fois moins cher. 10% moins cher. Et après t'as Greg. Ouais, c'est Greg. Il a une longue expérience dans l'organisation de concerts. Il connaît bien l'industrie de la musique et sait comment bien organiser un événement pour attirer le plus d'invités possible. Greg s'entend bien avec les DJ, ce qui lui permet d'organiser la meilleure fête en boîte. Wouhou! Les événements donc sont 20% moins chers et le lancement du jeu avec Disco standard débloqué. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Bref, qu'est-ce qu'on fait? Shifumi, on va prendre Greg qui est dans le thème évidemment. On est là, on est pour la fiesta. On a deux choix de boîtes. Los Palmos. Los Palmos est donc une petite boîte qui n'a rien de particulier et ressemble à beaucoup d'autres boîtes de ce type. Cependant, elle attire les habitués qui apprécieront l'ambiance intime. C'est une petite boîte, clientèle diversifiée, objectif du jeu, organiser un événement. Je pense que ça devrait aller. Et t'as The Fire, qui est une boîte de taille moyenne dans le centre-ville. Elle est très connue et attire beaucoup de monde, tant les jeunes que les personnes plus matures. Donc elle est moyenne, une clientèle encore diversifiée. Objectif de jeu, obtenez 500 de points de réputation. Ben on va prendre le deuxième choix encore une fois. Let's go, on est là pour la fiesta. Greg est là, The Fire est là, le nom de la boîte. C'est le City. Allez, le City. Il n'y a pas un truc avec Disco? Disco 7. Disco 7, comme le 7 de musique. Eh, ça réfléchit ici ou pas? Mode standard remplit la condition de la victoire ou mode créatif, on ne l'a pas encore débloqué. Donc, commençons le jeu. Commencez le jeu. Let's go. Ouais, je suis un peu foufou là, c'est... Voilà. C'est le record, ça reprend, on est là. Ouh. On va baisser un peu la musique qui est un peu forte. Ici, on a la possibilité de changer les styles. Mais nous, on est en mode disco là. On est full disco, c'est parti. On est mardi 1er janvier. On a 15 000 $. Mettez-vous en QWERTY pour le déplacement et tout est bien. La note sur du décor, la note sur la réputation, l'argent, on est là. Ici donc les tâches, ici le lecteur de musique, vous pouvez même mettre votre musique, c'est un banger. Exigence de la boîte, donc elle est à acheter un meuble de repos. Donc ici on a tout ce qui est menu construction, on le voit ici. Ici tout ce qui est équipement et tout ce qui est gestion des employés. Ici les améliorations, ici le calendrier des événements. Donc on va faire tâche par tâche, acheter un meuble de repos. Préférence 10, donc ça doit être une notation ça, canapé. Donc tu vois, là il fait 6 points. 5, 5, 4. Donc à mon avis, on est... Là, il va falloir mixer certaines choses. Donc on est sur une ambiance un peu jeune, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut se mettre? Un truc un peu stylé. Un peu banger. Alors on rotate avec quoi? Avec quoi on rotate d'ailleurs? Z. Donc W. Ouais, qu'est-ce que tu veux? On va mettre un canapé ici. Donc tu vois, ici on a validé.
Et on peut en mettre quand même un deuxième. Alors j'ai juste lancé le jeu, hein. J'ai pas fait plus. On va le découvrir ensemble. Ça sera que plus sympathique. Et on va mettre celle-ci. On va mettre de la couleur. On va mettre des paillettes dans nos vies. Alors je mets là, je les déplacerai plus tard. Mais c'est juste pour qu'on sache quoi faire. Construire des toilettes. C'est parti. Les toilettes, elles doivent être ici. Les toilettes sont là. Donc c'est pareil, différents styles. Hop, voilà. Et ici, à l'unité, je vais prendre ceux-là, ils sont pas mal, non? Un peu métallique. Ou ici, un peu bois, un peu... Ah, ça fait un peu classe, allez. Un peu classieux. On va en mettre deux quand même. On connaît dans les... voilà. Clac, clac, tu connais. C'est vrai que je vous cache ça depuis tout à l'heure. Mais je vais mettre là, c'est pas... J'ai pas trouvé facile de me placer, moi. Mais je vous fais tout voir, vous inquiétez pas. Comme d'habitude, on est là ensemble. Construire une piste de danse. Je pense que c'est le principal. Alors oui, à l'époque, tard l'époque, on avait ça. On va la mettre où, la boîte? Alors attendez, la porte, elle est là, hein, en fait. Ici, il y aura genre le DJ, donc on va le mettre ici au milieu. C'est logique ou pas? Voilà, en mode vraiment 80s. Et puis, on va l'entourer, regarde. Ça pique les yeux, c'est normal. C'est comme ça, c'était à l'époque. Lui, c'est comme ça, et lui, c'est comme ça. Alors après, peut-être, il y aura deux salles de ambiance, comme on dit. À voir. Embaucher un videur. Le videur, il est là. Donc, c'est lui qui va faire. Tu rentres pas. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Il nous coûte 200 dollars jour. 200, 160, 160. Est-ce qu'ils ont des caractéristiques? Level 1, level 1, level 1, level 1, level 1, level 1. Eh ben écoutez, on va leveler avec eux, donc on va peut-être prendre le moins cher. De toute façon, le gars est juste là pour dire tu rentres pas. On embauche un ici. Est-ce qu'on peut embaucher de l'autre côté ou pas? Non. Est-ce qu'on peut le déplacer, ceci dit? Non plus. Bon, ben il y aura qu'une entrée. Ok. On va déjà en mettre deux, on va pas non plus aller très loin et embaucher un barman quand même. Parce que l'alcool, c'est la base en discothèque, évidemment. N'allez pas pour la musique, tout le monde le sait. Un barman, est-ce que c'est intéressant d'avoir un level au-dessus? J'ai pas l'impression, en tout cas. Ils ont des indices ici d'efficacité de travail. Par contre, là, ouais, je pense que le barman, je vais mettre la dose. Là, il y a 25 pour 5 d'écart. Je vais prendre Carlo. Comment ça, pas de poste? Comment ça, pas de poste? Peut-être lui mettre un truc, effectivement. Genre un bar. Ouais, genre un bar. Regardez-moi ces bars. On va faire le tour des bars. Ok. Vraiment, il y a beaucoup de diversité. Vous me direz, c'est le cœur du gameplay. C'est-à-dire la discothèque. Donc il y a intérêt que ce soit diversifié. Mais quand même. Il y a des petits points, il y a... Bon, voilà. Ah, je vous l'ai peut-être pas dit, mais le prologue évidemment est gratuit. Je vous mettrai le lien en description. Mais on va mettre un truc assez classique. Un truc classique. Classique. Un peu hype. Voilà, là c'est. On va mettre l'alcool ici. Hein. Ouais, on va le mettre là. Comme ça, ils arrivent, ils vont direct au bar. Normal. Normal. Donc le barman, on peut l'embaucher. Le barman, il est là. J'avais dit Carlo là. Carlo, il est là. Ça marche. Modifier. Modification de la queue. Ok. Donc genre ils peuvent... Ah, regarde. Ils peuvent aller par là. Oh. Eh, c'est pas si bête que ça. Dans Big Ambition aussi, on peut gérer de comment on va se dessiner la queue, la ligne d'attente. Et c'est, bah, c'est pas mal qu'il intègre, franchement. C'est pas un élément qu'on trouve souvent. Et est-ce qu'on mettrait pas un deuxième bar? Je sais pas du tout de comment ça va se dérouler. Mais généralement, il y a un deuxième bar. C'est la base. La base du bar. Par contre, on mettrait peut-être une scène quand même, non? Genre, il a une table de camping, lui. C'est quoi l'idée? Bon, on va le mettre ici. Voilà. Il nous faudrait peut-être un DJ, non? Barman. Ah oui, un bar déjà. Attendez, je suis en train de me perdre. On commence bien l'année.
On va mettre un deuxième pour un thème un peu, voilà, un peu disco là. Voilà, il va être là lui. Tac. Comment on dit la ligne d'attente? C'est la file d'attente. Merci, merci. Voilà, n'oubliez pas de mettre en commentaire la réponse. Décoration, on peut mettre des murs. Ah, on peut mettre des murs là, attendez. Est-ce qu'il y a des murs sympas ou pas? Un peu disco, un peu fashion. Là, on va faire un peu fashion là. Tac, voilà. C'est pas du tout dans le thème, mais c'est pour vous voyez à quoi ça peut ressembler. Oh, c'est quand même moche, hein. Voilà, j'ai pas fait un truc sympa, quoi. C'est ça que je veux dire. Loin de moi l'idée de dire que le jeu est moche. Franchement, c'est suffisant, je trouve. À mon âme la vie, bien sûr. Donc, on était dans les murs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un plancher? On peut faire quand même un plancher. Alors, moi, j'aime bien le style bois, tu vois. Bah, c'est déjà en bois. qu'est-ce qu'on se marre ici? Bon, on va y mettre du carrelage ici. Voilà. Puis on va mettre du carrelage aussi au niveau des toilettes parce que c'est plus pratique pour nettoyer. Voilà. Ça c'est quelle couleur? Ok, ça c'est rouge aussi. Ah, je peux peut-être mettre un truc sympa ici, non? Là c'est du boîte. Là c'est du bois plus foncé. Ouais, je suis pas trop là. Ah, là c'est vraiment style cuisine. Et là, c'est vraiment style Formule 1, quoi. Formule 1, pas les hôtels, hein, bien sûr. Ouais, je suis en forme. Voilà, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour autant de force, autant de rien du tout. On va commencer le disco. Let's go, c'est parti. Il est 20h. Le disco s'éveille. On va peut-être avancer. Et on va se mettre en mode disco night. Bonjour madame, vous êtes neutre, vous avez de l'argent ou pas? Comportement. Danse peu. Ah bah, vous voyez. Ah bah, elle vient, elle squatte déjà les toilettes, elle. Ok. Lui, il squatte déjà le canapé. Attendez, on va se mettre en vitesse 1, déjà, on va analyser les comportements. Se fatigue rapidement. Putain, mais c'est... Ah, bah voilà. Michel. Elle s'ambiance ou pas, Michel? Se fatigue rapidement. Ouh. Elle. Elles sont pas foulées. Ok, let's go. Salut beau gosse, salut Jasper. Ce que Jasper a mieux, évidemment. C'est qui? Se fatigue lentement. Ok, elle a fait le... S'enivre rapidement. Danse beaucoup. Ok, Cassie, ça marche. Argent dépensé dans la boîte. 50 balles l'entrée là? Bah ça va, hein. Tableau des événements, on est là. Résumé des stats. Et ils sont là, ok. Bon, écoute, pour l'instant on en est là. Niveau de la gestion, 7000 balles. Oula, bah c'est ambiance Zoé là. Par contre elle pile quoi le poids. Pas comme ça quand elle gagne de l'argent, moi je vous le dis, hein. Cassie est là, elle danse beaucoup, ça marche. Elle a quoi là? Se fatigue lentement. Intoxication. What? On va vendre des trucs pas frais peut-être. Haroun là. Haroun, qu'est-ce qu'il fait Haroun? Ok. Alors, on va avancer peut-être. Ah regardez là, Epicolo là. Ah hop. Ça veut quoi là? Isobella. danse, elle veut pas danser. Par contre j'imagine qu'elle veut boire, hein, c'est ça? Ah. Oh, hé, regardez. Mini-jeu, on va faire ça. Alors, crée un cocktail commandé par le client du club. Choisis le bon ingrédient qui correspond à la recette. Donc là, une insane melon kiss. On y va. Insane melon kiss. Il veut du... Ça, c'est quoi, ça? Il veut un alcool comme ça. Un jus d'orange. Un Sprite. Et une feuille de menthe. Let's do it. Pour ceux qui connaissent, dites-moi en commentaire les cocktails que vous aimez, quoi. Bon, en tout cas, le bar fonctionne bien. Lui, il fonctionne moins bien. Ah, pop. J'ai mis personne ici. Vous auriez été sur Twitch, vous me l'aurez dit évidemment. Twitch est toujours là pour me dire ce que j'ai pas bien fait. Neo7_Twitch toute la semaine. Venez, j'essaye de dire une fois tous les deux jours, mais en vrai de vrai, c'est plutôt quasi tous les jours. Enfin, on se comprend quoi.
Vêtements laissés. Ah, il y a un colis suspect. Soit je peux dire d'envoyer un employé, soit je le fais manuellement. Et manuellement, c'est clic, 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 clic. Ou je reste appuyé, en fait. Ça fonctionne aussi. C'est même plus rapide. Ok, on a rangé. Ah, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il a plus d'énergie. Bah, va dormir. Bon, il n'y a pas assez de sièges. Ok. Je vous dis, voilà, je découvre avec vous. Comme ça, c'est plus sympa, je trouve. Surtout que c'est un prologue, hein, donc on n'est pas là en mode on va pas tryhard. Leroy Jenkins est là. Je sais pas où ils ont été chercher des pseudos, mais banger. À boire, de l'énergie. Ok. La répute, 188 points et 5 points de répute. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas, mais on va avancer. Le temps, il est 5h30 du matin. À quelle heure on ferme? On sait même pas à quelle heure on ferme, on sait même pas combien c'est. Ah, 6h on ferme. 5h59, précisons. Bon. Total des clients, 50. Clients contents, 16. Aïe. Clients enthousiastes, 6. Insatisfaits, 4. Et clients énervés, 9. Mais je les ai pas vus. On a gagné 2400 dollars de vente de billets, donc 2400 par 50. Et argent gagné au bar, 510. C'est pas ouf, hein. Ah non, 2400, c'est les billets, ok. Parce que 5 x 5, 25, on est bon. Coût des employés 333 et le loyer 750. Bah, 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 bah. Ok, on va continuer. Alors, deuxième étape. Un autre jour, une autre musique, évidemment. Déjà, on va mettre un barman. Mettre un barman. Barman qui travaille bien. Sonia, là. On va mettre Sonia ici, ok. Alors, comment je gère déjà le bar? Déplacer. Ah, tu vois, on peut déplacer. Ça marche. Et on peut le vendre aussi. Et mettre la file d'attente. On va la mettre ici, là. Je sais pas si le nombre de pas influe, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Les videurs, est-ce qu'ils sont en PLS? J'ai pas fait attention. On va mettre quand même quelqu'un d'autre. On va mettre un qui, quand même, touche sa bille. Voilà. Lui, il est, tu vois, t'as compris. Les employés avancés, on verra ça plus tard. La déco, la déco, la déco, les haut-parleurs. On va mettre quand même de la musique. 200 balles. Alors Z, W, non? Qu'est-ce qu'on a dit? Je me rappelle plus. Ah ouais, on peut... comment on dit... on peut quoi, en tout cas. Mais ça a un nom sonorisé, mais voilà, une zone quoi. On peut augmenter la. On peut augmenter. Cherchez pas. C'est voilà. C'est la vidéo de la reprise. On va se mettre ici. Tiens, ici au niveau de la. Au niveau du BR. Comme ça, ils sont toujours dans l'ambiance, tu vois. Et lui aussi. Ah, mince là. Ah, I, A. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Tu veux ou tu veux pas? Ah, je suis pas sur le bon quadrillage, ok. Eh ben, on va se mettre ici, voilà. Ici, on est bien. Ici, on pourra en mettre au sol, c'est ça? Ouais, le sol est là. Tiens, je vais en mettre un ici. Celui-là, c'est purement esthétique, hein. 150 balles, ça, on peut se le permettre. Là, on va cracher les watts. Les wattas. Est-ce qu'on mettrait pas une deuxième piste de danse? Genre ici, tu vois. On va dire deux salles, deux ambiances. Et on mettrait pas genre... On mettrait pas genre... Bah déjà des plantes quand même. C'est sympa des plantes ou pas? Un dans un coin. Un autre ici. Là au niveau de l'entrée. C'est bizarre qu'il n'y ait pas genre de vestiaire, un truc comme ça. Ça m'étonne. Tiens, on va mettre des fleurs ici, histoire de dire, ah c'est là la file d'attente. Bon, c'est moche, hein. Enfin, c'est moche ce que je fais, en tout cas. Mais bon, on va dire dans le délire. Qu'est-ce qu'on peut placer? Oh, des affiches quand même, bah oui, des affiches. Do not drink, c'est quoi? Hamburger? J'ai pas de hamburger. Ça, c'est quoi ça? Ok. Ça, au niveau de l'entrée, on est là. Là, ici, pour dire licence 4.
Voilà, vous savez ce que c'est la licence 4. J'ai mis le même, non? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Tiens, on va le mettre ici, l'autre. Hop là, petite déco ici. Si, j'ai dit. Ici, j'ai dit. Déplacer. Ah bah, je peux pas le. Ok, donc on a mis toutes les affiches. Des néons, on n'est pas. Les toilettes, j'ai pas fait gaffe s'il y avait besoin de plus, en fait. On peut gérer la file d'attente sur les. Sur les toilettes, quoi. Allô, quoi. Scène basique. Ah, les tables. Bah, c'est vrai, j'ai même pas mis de table. Je suis un fou, moi. J'ai mis ça un peu à la rachouille. Ok. Bon, je sais pas si c'est très beau. Mais dans l'idée, voilà, on est là, quoi. Et on leur met un truc ici pour voir. Allez, venez picoler ici. Choisir un tabouret. Il n'y a pas des tabourets? C'est bizarre, hein, non? Genre, ils peuvent s'asseoir là. Bon, ok. Soit, hein. Soit. Des trucs un peu design ici. Proche. J'avoue que le thème disco. Bah, là, pour le coup, ça me parle pas trop, là. Je sais pas pourquoi. Alors, attends, on va mettre ici. Ouais, tu rentres dans une discothèque comme ça, je crois que tu fais demi-tour là. Clairement. Les tables. Les tables un peu genre fer forgé, quoi, y'a pas? On va mettre ça comme ça. Et on va mettre un canapé là. Comme ça, quand tu rentres. Bingo. C'est space, hein. Dites-moi en commentaire, hein, si c'est vraiment trop bizarre quand même. Si je serais un bon architecte d'intérieur ou pas. Là, j'avoue, je me mets pas beaucoup de points là en l'occurrence. Bon, en tout cas, ils ont de la place, ils peuvent s'asseoir. S'ils sont pas contents avec ça, eh ben, vous savez, hein, ce qu'on dit. Chè. Il y a peut-être pas besoin de table en fait, de tabouret, je veux dire. Peut-être ils vont s'appuyer dessus, on verra. Ah, on peut choisir la couleur, my bad, ok. Hein. Genre une table bleue. Ah oui, le néon. Attends, est-ce que je peux te vendre? Un petit néon bleu là. Ah ok, et ça c'est sympa ça, tu vois. Ça change tout. Le canapé. Ici en mode. Voilà, pour les gens, les feignards là, ils sont là. Et puis un autre canapé dans le style. Hop là, allez, c'est parti. C'est parti, nouvelle journée! On va se mettre du rock un peu. Ah, c'est parti! Allez, t'as plus l'embrouille là. Oui, je sais pas. Du monde ce soir, ouais. Ah, je connais Philippe à l'intérieur, ouais. Tout le monde fait ça, non? Ah, regardez, ça danse ici, ça danse là. Oula. Oula, ça focus le bar là. Ça focus le bar. Oh, mini-jeu direct, attendez. Hop, 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 hop. Mini-jeu. Attendez, il veut quoi lui? Une insane mail, man. De l'orange. Bah, c'est celui-là de tout à l'heure, ça. Ok. Ça marche. Événement laissé. Accident. Affiché, je sais pas quoi. On s'en occupe. Putain, les gens quand même laissent n'importe quoi. N'importe où, hein. Un scandale. Ok, lui là. Il a quoi lui? Il va aller aux toilettes? Va rarement aux toilettes. C'est une stat ça? C'est une particularité? Ah, ils font comment les gens? S'assoient, en tout cas. Ils s'amusent. Et ça sert à quoi? C'est plus pour plus tard, j'imagine. Ok, les gens s'assoient, les gens dansent. Waouh, ils sont synchro, hein. Regardez-moi ça. Ça, c'est des copines, Joséphine et Hélène là. Ah oh là là là, c'est crade! C'est crado! Mais que fait la police? Et la file d'attente, vous êtes pas dit que c'était derrière les plantes là? Je sais pas moi, réfléchissez un peu là. Ok, ah, manque de papier aux toilettes. Le classique, le papier toilette, évidemment. On doit tout gérer, je vous le rappelle. Et là, on manque du monde, je pense. Verre cassé. Aïe, 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 monsieur! Les gens bourrés qui cassent tout! J'en ai marre! Petit clin d'œil. Ah, j'en ai marre, bien sûr, pas aux gens bourrés qui cassent tout. Alors,
Rock you. Encore du verre cassé. Non mais allô. Est-ce que vous êtes plutôt alcool bon ou alcool vraiment vous êtes mauvais quoi. Ou est-ce que vous êtes plutôt team soda quoi. Plutôt team le coca à 8 euros et la bière à 7,50 quoi. Comment ça c'est l'expérience Ouais, je trouvais ça insupportable. Limite, t'es obligé de picoler, quoi. Enfin, obligé. C'est plus rentable, on va dire. Bref, 91 de répute, on est à 107 dorénavant. On a gagné 1860$. C'est-à-dire qu'on a fait 2400 de tickets. L'argent au bar a augmenté à 880. Et évidemment, on a plus de... Plus d'embauches. Ok. Ce que je vous propose, c'est je réinvestis l'argent, là. On a 4000 balles. Et on se retrouve pour le dernier jour, puis on se verra comme ça. Allez, let's go, regardez, jour 3, on est là, on a fait une deuxième porte ici. Donc, double de personnel, double de personnes, double de clients. Donc, monnaie, monnaie, est-ce que ça sera payant? Ça, c'est pas sûr. On va voir tout ça, en tout cas. Les ordures, toujours. Hein. Ah là là, les ordures. Ah les gens, je te jure. Bon, je fais un peu le ménage, je fais un peu, voilà, moi je fais les tâches ménagères. On se capte s'il y a un truc sympathique, mais vous voyez, c'est mis à la table ici, c'est sympa. Ah, ce que je sais pas si ça coude ici, là, j'ai toujours pas vu. Bref, s'il y a un truc intéressant, je vous le fais voir comme d'hab, hein, allez. La synthèse du jour, 79, du coup, de répute, 2610$ de bénéf. Donc... 3200 de tickets, donc évidemment on a step up au niveau clientèle, puisqu'on en a 66 dorénavant, on a gagné de l'argent sur le bar, 300 balles de... Évidemment on a plus de coûts d'employés, et client énervé, un seul énervé. Donc on est plutôt pas mal, on va pouvoir dorénavant maintenant améliorer, on a 6660$. Qu'est-ce qu'on fait on, je crois on va déployer, on va débloquer plutôt les employés. L'amélioration des compétences des employés est primordiale pour créer une boîte de nuit qui fonctionne bien. Débloque les nouveaux employés et les nouveaux postes de travail. Lui, il serait quoi? Il serait technicien de surface, agent de sécurité. Eh ben, on va améliorer pour 3000 balles. Alors, on peut construire. On peut construire. Voilà, poste de sécu. C'est quoi la diff? Max 1, max 2. Bon, on va mettre le plus gros, 1500. Ok. On va le caler où? Ah! On va le caler là. Non, pas là. Ah, mince! Aïe! Oui, aïe! Coup dur pour Guillaume. Attendez, on va se mettre... On va déplacer ça, là. On va déplacer ça. Donc, clic gauche hein, pour déplacer. Ah, on peut mettre sur la piste de danse. Stylé. Voilà. Ici. Et on va le mettre là. Lui, on va le déplacer là. On peut peut-être pas mettre les tables quand même. Faut peut-être pas abuser. Tiens, genre, ils sont au bar, là. Genre, ils sont au bar. Voilà. C'est stylé comme ça, non? Déplacer la table. Mettre une chaise là. Bon, c'est peut-être pas ultra, ultra sympa, mais bon. Vous avez compris l'idée. Attends, il est où le mur? Il est là. Voilà, côté des toilettes, bien sûr. Tout le monde aime ça. Déplacer. Il est dans quel sens, lui? Bah, je peux lui mettre un mur, non? Ouais, un mur. Voilà, on va mettre un mur. Je peux mettre une porte? Ouais, je peux mettre une porte. Une porte brague ah. Genre c'est le truc du boss ici. Ah attends. Ok. Attends, je vais fermer le mur entièrement. Ok. Tu fais quoi? Comment ça? C'est quoi l'idée là? Qu'est-ce que c'est que l'idée là? J'ai pas le droit. Attends. Comment je casse le mur? Ah! Allô?
Allô, cassage de mur, s'il vous plaît. Bon, ça veut pas. C'est pas grave, on va mettre la porte là. C'est... Ah, somme toute logique, hein. Somme toute logique. On va remettre un mur là. Est-ce que je peux caler un mur, s'il vous plaît? Bon, là, je peux. Va comprendre. Je lui mets une petite déco ou pas? Une déco, voilà. Rouge, ça fera moins... ça jurera moins si, voilà, s'il doit s'expliquer avec un client, tu vois. Bon, c'est un peu dommage. Ah bah non, tu vois, je suis pas obligé de colorier l'arrière, là. Voilà. Comme ça, on reste dans le thème de la boîte. La Disco Night. Ok, un mur, un plancher. Oh, mais il a fait un plancher, non? Ah non, c'est bon, il est en... Okay. Ok, ça c'est bon. Donc, employé. Agent de sécu. Comme d'hab, on va taper dans ça. Par contre, agent de sécu, je pense qu'on va en prendre deux. Amber et Allen. Ils sont là. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils sont là. Il reste 1650$. Technicien de surface. Il va nettoyer. Il va s'occuper de tout, quoi. Bon, on va mettre le grand, hein. Ah ouais, y a pas, c'est pas non plus ultra grand la boîte là. Attends. Ah ouais. Ça représente quoi? J'arrive pas à voir. C'est un peu spécial, non? Comme je sais pas. Ça me paraît étrange. Pas étrange. Ok. Alors attends, je vais déplacer ça. Bon, je déplace tout, je fais et je vous fais voir comme ça. Et vous avez eu l'essentiel. J'ai mis slick les pipes. J'ai lancé le jeu, je voulais pas. Je voulais juste déplacer ça contre le mur. J'ai mis personne en fait. Tu mis slick. Donc bah, rendez-vous à samedi. Parce que là c'est vendredi. Après vendredi, c'est samedi. Bon, regardez, j'ai envoyé un employé pour le vêtement suspect, là. Non. Elle est où? C'est elle, je crois. Hein. Regardez. Mais comme... Bon, c'est tout, en fait. C'est tout, ça marche. Bon, on se fait un petit cocktail encore. Vous aimez les cocktails ou pas? Alors, un Blue Lagoon, là. Tac. Tic, ça c'est du poisson, ouais, ça, on est d'accord. Coca Cherry ou Cerise là. De la vanille. J'ai mis slick. Je crois que je me suis trompé. Oups. Bon, vêtements délaissés, regardez. Hop là, vêtements laissés plutôt, pardon. Ah, 87 de répute, 2860. On se calme. On se calme, on reste chill, s'il vous plaît. Voilà. Argent dépensé, machin. Oh, les coûts d'employé, ça commence à piquer. Par contre, on est bien niveau satisfaction, je pense. Hein. Bon, j'étais sur ça. Voilà. Ici, on va mettre la... Boum, le DJ set, ici. On va mettre la piste de dance, ici. Voilà. Tac, ça dépasse un peu, c'est bien. Ici, je leur mets une enceinte. Bam. Bim bam boum. Voilà. Là, ici, la plante. Ça fait joli. C'est bio. Là. Tac. La ligne d'arrivée, elle est là. Je vais faire une double ligne d'arrivée. Mais il y a une table, il y a une chaise. Donc, on peut pas. Donc, on décale. Voilà. La chaise ici. Tac. Je sais pas vraiment ce qui manque, en fait, pour qu'on ait un successful... Au niveau de la buette. Faites-moi penser qu'il faut que je prenne du coup un employé qui fasse de la surface. Je vais prendre quand même un efficace. Voilà ici. Et un cube. Qu'on a rien à cirer. Regardez-moi ça, ils sont là, là. Voilà, en mode... qu'est-ce que... Regardez, ça clope et tout. Non, mais allô. Non, mais allô, quoi. Alors... Déplacer. Tiens, je vais déplacer là. Je vais mettre full table et tout, je pense.
Alors juste petit aparté, regardez-moi, en fait j'avais pas vu, mais on peut donc choisir la couleur de l'assise, de la pièce en elle-même, et mettre un néon quoi, en fait. Ça, fallait y penser. Il fallait y penser. Du coup, on va spammer ici, pas d'argent. Pas d'argent, peu d'argent, mais on va être très vite rentable, on l'espère. Nouvelle journée de disco. C'est parti. On s'ambiance ou pas? Allez. Allez. Hoche de la tête. Ça va le faire. Il faut gagner beaucoup d'argent. Ouh. Ils sont contents. Ah, regarde, on va envoyer quelqu'un. Allez, let's go. Allez travailler. Je vous paye pour ça, moi, ou quoi? Nous, on fait des cocktails, par contre. On aime bien les cocktails. Ce soir, c'est soirée cocktail. Un petit orange. Une petite fraise. Quel est le prochain cocktail du soir? Il est samedi. Il est minuit. Ah! On s'en occupe. Allez. Bravo! Allez. Encore. Donc c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Une tâche, une personne, on est là. Et s'ils sont saturés vite... Wow, il y a du monde, non hein. Ouh, j'ai mis des petits canapés roses et tout là. Ambiance de fou, hein. Ah, la police. Que fait la police? Les toilettes, ça a l'air pas très encombré, ça va. Pourtant, ça picole. Hein, picole dur. Ah, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Qu'est-ce qu'elle a, hein? Insatisfaite de quoi? De quoi bon? Elle veut boire! Ah, ok. Ah bah d'accord. Toilette bouchée, hop! Je l'ai déjà fait tout à l'heure, hein, tu te débrouilles. Hein. Moi, je te paye pour ça, hein. Pas de papier! Pas de papier, envoie du monde. Ordure dispensée. Alors, est-ce que du coup, ça cancel ou pas? Non, c'est bon. Ça leur fait une file de tâches. Eux, ils sont là. Ouais, non, tu comprends. T'es en basket, t'es en chaussettes. En fait, si tu passes. Bon. Bon, apparemment, on n'est pas très regardant, hein. Ah, il y a un mini-jeu, attendez. Il y a un mini-jeu. Mini-jeu de cocktail. Il est comment? Il est où, le cocktail? Cocktail. Il est pas là, si, il est là. Attendez. Bim. Coca noir. Orange. Let's go. 79 clients, je crois que on en a perdu, non? Client comptant 25. Ah, insatisfait et énervé, waouh! On est mauvais stats! 2900. Alors, on tourne sur du chill pour la. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous faire voir encore? Au niveau du bar, on peut les améliorer avec des vins, de la bière, ok. Le mobilier, on peut l'améliorer aussi. Les néons, est-ce qu'on. Ah, ça, on l'a débloqué, hein, ouais. Décor, assure une décoration. 2000 balles. Mais je pense que c'est ce qui rapporte, c'est le bar quoi. Mais j'ai pas d'argent. Pas d'argent, peu d'argent. Et du coup, on n'a pas. Alors, ajoutez un événement. Attention, là, c'est la soirée de la soirée. DJ Eric augmente leur prix de billets de 20. C'est une basique de DJ, exige 100 points de réputation. Là. Elle augmente le nombre de clients de 15%, augmente le prix des billets de 10. Ok. Et DJ Bouira augmente le nombre de clients de 20%. Et nous, on a une exigence de 357. Donc, on est largement augmente de 15. Par contre, on a payé 2400 balles. Augmente le nombre de clients de 15%. On est à... Pff, ouais, ça va faire 80 clients. Allez, 80... 90 grand max. On va essayer. Allez, on essaye. Ajouter un événement. Ça marche. Dimanche, lundi, mardi, dimanche. Ok, je pense qu'on est suffisant. Est-ce qu'on rajouterait pas un bar? Je ne pense pas, de toute façon il n'y a pas d'argent. Pas d'argent, peu d'argent. Qu'est-ce que ça donne? Ah ouais! Regardez, elle est là. Elle est censée amener du monde, hein. Alors dépêchez-vous. Wouhou! Attendez, on est en mode disco ou pas là? Voilà. Oh, voilà. Ambiance scandale. On est là. Vous savez sa petite machine, lui?
Franchement, graphiquement, il match, hein. C'est pas mal, c'est cool. Voilà, ça fait ouais, tout. C'est l'ambiance de fou. Par contre, ça s'automatise pas les tâches un peu. Ah, il y a une dispute. Hop. Il y a embrouille là, il y a embrouille. T'as pas compris? Je t'envoie mon boy, moi, t'inquiète. Regarde, il va sortir là. Bah, ma boy en l'occurrence, regardez. Ouais, c'est pourquoi? Tu t'embrouillais? T'embrouilles ou quoi? Regardez là, la diplomatie là. Regardez-moi. Non, mais t'as pas compris, mec. On veut pas de toi, c'est ciao. Voilà, c'est ciao. Il est pas content. Mais non, il est pas content. Mais il boit pas de l'alcool, donc il rapporte pas de l'argent. Évidemment qu'on en veut pas, nous. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Un blue lagon? Un turn-up captain. Du tabasco, de la... Voilà. Je connais beaucoup les alcools, vous avez compris. Ordure dispersée, on est là. Bon, c'est un peu relou de tout faire. Mais bon, soit. Toi, t'as pas d'énergie. Bah, va te reposer. J'ai mis que ça. C'est un peu bugué, j'ai l'impression. Lui, veut quoi? Intoxication, mais de quoi? C'est intoxique de quoi? Je comprends pas. Encore l'alcool. Il y a une dispute. Oh, il y a embrouille. Attends. Il y a encore embrouille. Il y a une embrouille. Qui c'est qui part? Qui c'est qui... Ah, c'est encore elle. Bah, lui, il fait rien ou quoi, là? Wow. D'où il y a... D'où t'as qui? Wow. L'autre, il se met... Bah, les toilettes, c'est pas là, mon boy. Bah, c'est vachement sécurisé. Et toi, t'es là. Toi, tu regardes le mur, toi. Ok, tu te dis pas... Il se dit pas, non. Il se dit pas, clairement, il se dit pas. Bon, on se retrouve à la fin de la journée, voir si l'ambiance de folie a payé. Let's go. Bam, 75 de répute. Là, on gagne pas mal de réputation. 5310$. Ok. Bah, en vrai, ça paye, hein. Client content. Par contre, on est toujours sur des énervés, des insatisfaits. J'ai pas checké vraiment. Bref, on est là. Je pense qu'on a fait quand même le tour, vous avez vu. Est-ce que je vous débloque pour le style? Qu'est-ce que je vous débloque pour le style? L'alcool ici basique et les meubles. Ah bah j'ai pas d'argent. Bon bah comme ça. Mais au moins ils vont pouvoir servir autre chose que bah que de l'alcool. Ils vont vendre aussi de l'alcool. La déco bah elle est là. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je pense qu'on a fait le tour comme je disais. Si vous avez kiffé, bah le like, l'abonnement, road to 1000 désormais, let's go. Merci à vous encore une fois. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur un jeu. Ça, dites-le moi en commentaire si vous avez des idées de jeu, mais vous inquiétez pas, on est là. J'hésite pas à vous proposer. C'est Neo7, à bientôt, ciao.